Salut à tous, ici Tax. Dans cette vidéo, on va jouer à BMG Drive. Donc, pour toutes les personnes qui connaissent pas ce jeu, c'est tout simplement un jeu qui va permettre de détruire des véhicules vraiment très très réalistement. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà, c'est de la destruction automobile vraiment ultra réaliste. C'est pour moi le meilleur jeu dans ce domaine-là. Vous allez voir que c'est plutôt intéressant et que peut-être vous allez découvrir un jeu qui risque, pourquoi pas, de vous plaire. C'est parti, on commence. Donc, on va tout simplement tester des mini-jeux. Vous allez voir qu'ils sont plutôt sympas, plutôt intéressants. J'aime beaucoup. On va voir ce que ça donne. J'ai pas testé encore avant, pour ceux qui se demandent du coup. Voilà, c'est le premier circuit qu'on va faire. Il y a plusieurs mini-jeux. Je vais tout simplement relancer le chargement. Parce que, bah, tout simplement, voilà, en même temps, ça va me permettre de vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Donc ça commence à partir de là. Thème 1, thème 1.2, 3, 4. Il y en a plein. On les fera peut-être pas tous dans cette vidéo, en tout cas on va tester. Donc c'est celui-là que j'ai décidé de faire pour le premier. Donc voilà, c'est plutôt sympa, on va voir ce que ça donne justement, parce que franchement c'est plutôt cool. Donc l'objectif est de faire le maximum de points, bien évidemment. Donc l'objectif est tout simplement de sauter de la rampe avec la voiture et de crasher son véhicule, comme je pense vous vous en doutez peut-être. C'est parti, on y va, let's go. Allez, on commence par cette rampe là, celle du milieu. Let's go. Tac. On va juste changer de caméra. On va juste changer de caméra. Et boum. Voilà c'est quoi BNG. Voilà à quoi tout simplement vous avez le droit tout simplement de voir tout simplement. Donc c'est ça, tout simplement BMG. On a la possibilité aussi de ralentir le temps. Donc ça je vous le ferai aussi. Du coup voilà, on va tester. Non, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va tout simplement refaire un essai, histoire de voir, mais avec une autre rampe. On va essayer une rampe, pourquoi pas, sur les côtés, parce que ça peut vraiment être intéressant, ce mini-jeu-là. Il est plutôt stylé, j'aime beaucoup. Ouais, faut juste que je me rappelle des touches, parce que c'est au clavier-souris, et le jeu est disponible sur... Enfin, le jeu est disponible qu'en anglais, pour ceux qui se demandent, donc voilà. Du coup, c'est un peu compliqué. Allez, let's go, on y va. On va pas prendre la toute grande rampe, on va juste prendre celle-ci. Voilà, allez, allez. Ok, nickel. On tourne un petit peu la caméra. Où est-ce qu'on va tomber? Où est-ce qu'on va tomber? Oh, oh, oh. Ouh. Ah oui, d'accord, ok. Donc la voiture a carrément flambé. Dommage qu'on n'a pas réussi à aller au milieu pour marquer le maximum de points. Mais c'est pas grave, on va tester un petit peu les autres scénarios qui sont présents. Vous allez voir qu'ils sont plutôt intéressants, même si je les ai pas forcément testés. Donc là, dans lequel me donne le plus envie, celui-là a l'air plutôt pas mal là. Du coup voilà, à chaque fois vous devez charger tout simplement le scénario, ça prend pas forcément beaucoup de temps, ça dépend de votre PC bien évidemment. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup, c'est un jeu que j'aime ben, tout simplement énormément, détruire des véhicules comme ça. Donc là on a une genre de méga rampe plutôt stylée, plutôt sympathique. Donc franchement ça, ça fait plutôt plaisir. Donc alors, on va voir ce que ça donne, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ça a l'air d'être une méga rampe avec des obstacles. Donc à voir ce que ça va donner. Si on peut, bien évidemment, voilà, on peut mettre start. Donc la voiture est plutôt sympa. Allez, let's go. Waouh, le bruit qu'elle fait, c'est assez ouf. Il faut essayer d'esquiver simplement les rochers ou les cailloux qu'il y a. Elle fait un sacré bruit, hein. Waouh, c'est assez ouf. Ok, ok, on a réussi, donc c'est plutôt facile. Waouh! Le pare-choc arrière s'est littéralement détruit. Mais détruit de chez détruit. Donc là, on atterrit. Et regardez le point d'impact. Boum! Oh! On en a fait une crêpe. La voiture, elle a carrément disparu. C'est un truc de fou. Elle a disparu. Juste pour le fun, juste pour... voir un petit peu qu'est-ce que ça fait si on se prend justement un de ces rochers, un de ces trucs sur la méga rampe. J'ai envie de voir ce que ça donne, mais là on a carrément fait une crêpe. La voiture c'est devenu une crêpe tout simplement, c'est assez ouf. C'est pour ça que j'aime ce jeu d'ailleurs. Donc, allez, on fait à peu près encore un essai sur celui-là. Donc, allez, voilà, on a la possibilité de mettre prêt. Et
C'est parti! Donc on va pas se prendre les premiers, on va peut-être se prendre les prochains. Voilà, du style, celui-là, vous allez voir. Celui-là en pleine face, boum! Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est ça BNG, c'est pour ça que j'aime ce jeu, simplement. C'est pour faire ce genre de truc. Ça, vous voyez ça dans aucun autre jeu. Et c'est pour ça que j'aime ce jeu. Donc c'est pour ça que c'est tout simplement magique. Du coup, on va charger un autre scénario. Donc scénario, voilà, on va en choisir un autre tout simplement. Donc, ça m'a l'air plutôt assez répétitif du coup. Ça j'aime bien ça. Ça, j'ai bien envie de tester. Du coup, comme dit, je les ai pas fait à l'avance. Du coup, je les connais pas. Je les choisis avec vous. Je les découvre avec vous. C'est plutôt sympa. Donc, franchement, c'est un jeu que je vous conseille si vous aimez la destruction de voitures. C'est juste oufissime. C'est pour moi le meilleur jeu concernant ce domaine-là. Et le jeu est assez ouf. Hein. Franchement, il y a rien à dire. Le jeu est oufissime. Ok, du car qu'on va faire tout simplement. Donc, curling, je pense que ça se prononce plutôt. J'en ai jamais du tout ce que c'est. On va commencer. Voiture. Elle a pas de bruit, non. D'accord, elle est plutôt spéciale. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a un ralenti. Hein? Waouh! J'ai absolument pas compris ce qu'il faut faire. Ouais. D'accord. Pourquoi pas? Qu'est-ce que je suis sans... Waouh, il y a un camion! What? Attendez, il y a des camions! What? Qu'est-ce qu'il fait lui? What? Mais what? Ah d'accord, ok. Ah oui, d'accord. Oui, pourquoi pas, c'est plutôt pas mal. On va se faire un dernier scénario, parce que celui-là, j'ai pas trop compris ce qu'on devait faire. On va s'en faire un dernier, tout simplement. Et dites-moi si vous voulez qu'on fasse, pourquoi pas, d'autres petits trucs sympas sur BNG. Alors, car curling, snow car. Ok, là on a quoi? Airborne snake. Car relationnel. Oh, ça a l'air sympa ça. On dirait qu'il y a de la lave par terre. J'ai bien envie de finir sur ça, justement. Parce que vraiment, c'est assez ouf. On va voir ce que ça donne. Ok. Donc, on entend des bruits de lave déjà. Going with the flow. D'accord. Donc, voilà, la map elle est chelou. Faut vraiment. Voilà, c'est vraiment bizarre. Hein. Donc je sais pas du tout ce qu'on doit faire, si c'est un parcours, j'ai l'impression, je sais pas du tout. Allez, c'est parti, on a un genre de pick-up, ou je sais pas trop ce que c'est. Ouais, c'est un genre de pick-up. On va voir ce qui se passe, je ne sais pas du tout ce qu'on doit faire. Oula, il y a de la lave. Il y a de la lave! D'accord, c'est tout simplement un parcours en fait. J'avais totalement pas compris ça comme ça. Et en fait, il faut esquiver la lave. C'est un peu logique. Mais dans ma tête, je me suis dit que non, je pouvais rouler tout simplement sur la lave. Je suis tout simplement Dieu. Voilà. Non, je rigole. Mais voilà. J'ai pas compris, du coup, voilà. C'est un petit peu le fail. Mais bon, on va retenter notre chance, voilà. Oui, d'accord. Pourquoi pas, ma voiture est déjà en train de... Ok, c'est reparti. J'ai dû relancer du coup, mais c'est pas forcément dramatique. Maintenant, on le sait que c'est un parcours, tout simplement, pour les personnes qui jouent à GTA. Je pense que vous avez l'habitude de ce genre de parcours, mais BNG n'est absolument pas fait pour cela. Voilà, on va... Voilà. Écoutez, on va finir sur ce fail monumental, mais c'est pas grave, les amis. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous remercie d'avoir regardé, et je vous dis à la fois prochaine. Ciao tout le monde.